Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo thème printemps. C'est le défi de colle tout partout, de ma touche à tout pour ce début mars. Voilà, on est le 15 mars et c'est le deuxième tag. Voilà, ensuite il y aura deux tags pack. Voilà, alors je vous montre le premier qu'on a fait ensemble qui est fini. Voilà, j'ai rajouté un petit coton jaune effiloché en haut. J'ai passé mes œufs avec du glossy pour les mettre en relief. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais ça rend super bien. J'aime beaucoup. J'ai rajouté une petite fleur ounette là, avec de la petite mousse verte. Voilà, c'est le printemps. Et puis c'est tout. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai rajouté. Ouais. Et une petite fleur jaune là, parce que ça manquait. Voilà. Pourquoi? Parce que là, il y avait une, et là, il y avait une. C'était pas bon. Il fallait une deuxième là pour mettre la troisième là. Ouais, je suis pas claire, hein. Bref, une histoire d'équilibre. Je ne sais pas si c'est toujours équilibré, mais bon. Allez, on se fait le deuxième tag printemps. Pour ça, j'utilise la même grandeur de tag. Je crois que ça fait 7. Je regarde, je vérifie. 7 par 14. Voilà, on va utiliser des Magicols. Donc celui-ci, il y en a un qui est un peu rose. Celui-ci, qui est plutôt doré, je crois. Ouais. Doré ou cuivré. Et celui-ci, vert. Voilà. C'est Green Parade de chez Nouveau. Ensuite, une bombe d'eau. Et puis voilà, on va faire le fond. Hein. Je vais me mettre debout parce que j'aime bien faire les fonds debout. Ouais. Donc, un petit peu de rose. Un petit peu. Non, c'est le contraire. Enfin bref, non. Ça, c'est le doré. Difficile de le reconnaître en couleur. Hein. Voilà. Et puis le vert, je mettrai après. Ouais. Je vaporise avec une bombe d'eau dessus. Assez haut pour que ça ne vole pas partout. Et que ça fasse un joli effet. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter du vert. Voilà. Wali walou. Un petit peu d'eau. Voilà. Voilà. On va bouger un peu. On bouge un peu. Allez, on bouge un peu. Ouais, c'est bien quand ça bouge, hein. Ça fait d'autres effets sympas. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce bain de couleurs. J'en ai vraiment pas pris. Donc je vais sécher. Vous pouvez arrêter ou mettre en accéléré. Vous faites comme vous voulez. Ou vous bouchez les oreilles. Parce que ça va faire du bruit. Bon, je vais secouer un peu parce qu'il y a trop d'eau. Voilà, hop. Je vais repencher de ce côté-là. Vous voyez rien parce que je mets du mauvais sens, forcément. Alors, je peux descendre un peu la couleur comme ça. Je vais essuyer là parce que ça fait beaucoup d'eau. Voilà. Et c'est reparti. Et voilà, moi ça me va très bien comme ça. Ensuite, on va me prendre le pochoir. Donc,
Donc c'est un pochoir de chez Action, je crois. Non, c'est pas chez Action ça, je pense pas. Oh, je sais plus. C'est avec des petites fleurs. Il y en avait avec des petits cœurs, il y avait avec des petites fleurs, puis l'autre, je sais plus quoi. C'était par trois. Je sais plus d'où il vient. Je sais plus si c'est Action ou quoi. C'est relativement épais. C'est pas mal. Donc, on va mettre le tag bien droit. Notre petit pochoir par-dessus. Voilà. Puis on va faire un peu de pâte de structure pour voir ce que ça rend avec les bruchots. Alors, la pâte de structure. La pâte mousse de chez Action. Hein, toujours la même. Donc, avec cette pâte, j'ai fait des ATC aussi. Je vous les montrerai après. Si j'oublie pas, hein, c'est toujours pareil avec moi. Hein, je dis, je vous les montrerai après. Puis après, j'oublie. Donc, allez, c'est parti. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est moi, mais qu'elle est plus grise. Qu'elle est plus grise. Par rapport à il y a 8 jours quand j'ai fait le tag avec vous. Mais bon, je ne sais pas. C'est peut-être moi. Hein. Je prends juste ce qu'il y a sur le couvercle. Qu'elle fait moins blanche que dans le pot, en fait. Sur le couvercle. On va voir. Hein. De toute façon, on est là pour découvrir cette pâte. Que je ne connais pas, que j'ai utilisé pour la première fois avec vous dans la première vidéo. Donc voilà. Donc, ce doit être moi, hein, parce que dans le pot, c'est la même chose. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, elle me paraît plus grise. Elle me paraît un peu plus moins blanche. Bref. Hein. Alors, hop, on ferme le pot. Voilà. Je vais essuyer ma spatule. Enlever le petit aimant. Voilà. Hop. Je vais mettre ça derrière. Je laverai tout à l'heure. Ça aussi. Allez, hop. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Moi j'aime bien, je vous dis ça, je regarde même pas. Ah oui, c'est pas mal. Donc un petit coup de séchoir. Hein. Voilà. Je referme bien le pot parce que je ne sais pas si elle se conserve bien. Voilà. Un petit coup de séchoir. Donc rebouchez vos oreilles. Passez en accéléré. Un peu. Donc j'ai utilisé encore mon livre sticker, celui-ci, voilà, que j'avais acheté sur Amazon. Il est pas mal, hein, il est pas mal. Donc j'ai trouvé des images encore pour ce deuxième tag de printemps. Donc eh bien allons-y, hein. allons-y. Je vais enlever les brochots, enfin les brochots, les magicoles. Voilà. Et puis je vais prendre une petite fille, toute mimi. Voilà, comme ceci. C'est un sticker. Hein. C'est des stickers, mais des stickers que j'ai recollés sur un papier blanc parce que bon, il y avait du bleu autour. Et un papier blanc, un papier autocollant blanc pour garder l'aspect sticker. Et puis, j'ai détouré au plus près. Puis là, je viens de commander des cutters de précision. Parce que je fais tout au ciseau et il y a des petits détails qui mériteraient de plus de précision encore. Bref, hein, un petit peu de vintage photo peut-être. Pour cacher le petit bleu qu'il y a sur le côté. Voilà.
Ouais, puis je trouve qu'on fait du. J'ai vu sur la chaîne de Petite Frimousse qu'elle avait acheté ce fameux cutter de précision. Puis j'ai pris des stylos cutter, c'est encore plus petit. Plus petit pour aller plus près possible du motif. J'aime pas le blanc autour, donc voilà. Alors les papillons, ben, j'ai pris plusieurs sortes de papillons. Ceux-là viennent de chez F Déco. Voilà, il en reste encore quelques-uns. J'ai pas pris les papillons qu'il y avait avec les stickers. Ils m'allaient pas. Donc voilà, j'ai découpé quelques papillons. Je sais pas lesquels je vais mettre. Voilà. Et ça, c'est un papillon en tissu. Je sais pas si je vais l'ancrer ou pas. Allez, allez, on ancre un petit peu. Un chouïa. Voilà. D'ailleurs, c'est mal découpé là. Je vais lui enlever les queues pour que ce soit pareil des deux côtés. Hop, et voilà. Donc, et bien ensuite, on va mettre notre petite fille. Notre petite fille avec son chapeau. Son chapeau fleuri. Je vais vous montrer les attestés que j'ai fait après. Hein, vous inquiétez pas. Ils sont sous mes yeux pour pas que j'oublie. Voilà. Donc je mets de la petite fille là, comme ceci. Hop. Voilà. Des papillons. Je vais peut-être en mettre plusieurs, je sais pas. J'aime bien. Je vais regarder ceux de la collection pour voir. Enfin, ceux de la collection, ceux du livre sticker pour voir s'ils sont mieux. Je crois que j'en avais là. J'en ai pas découpé des masses. Ouais, celui-là est pas mal finalement. Celui-là. Je vais mettre ça derrière. Ouais, celui-là, il est pas mal. On le voit bien. Non, je reste avec celui-là. Bah oui, indécise. Indécise, indécise. Donc, je vais devoir ancrer le tour. Hein. Un petit peu d'encre autour. Donc, je mets la vintage tout autour. Histoire de faire ressortir les motifs du milieu. Les motifs de pâte, enfin de mousse 3D. Voilà. Voilà. Ouais. Donc je crois que je vais rester dans le bleu parce que sa robe, elle est un peu bleue. Ah ouais, c'est coloré, hein. C'est un printemps coloré, hein. Ou alors celui-ci, là. Non. Celui-là. Un papillon bleu. Un petit peu de colle. Si elle peut bien aller jusqu'au bout, hein. C'est le fond du pot, comme d'habitude. J'aurais dû faire le plein avant la vidéo. Hein. Et puis elle a du mal à sortir. Donc je ne vais pas le coller complètement, je vais le coller un petit peu. La moitié des ailes, voilà, comme ça. La moitié des ailes d'un côté. Car, d'accord? Allez. Voilà. Wally Walou. J'aimais bien celui-là aussi. Hein. Je peux le coller sur le bord comme ça. Ouais. Puis le recouper. Hein, c'est pas une mauvaise idée. Allez. L'autre moitié me servira sur un autre tag, mais j'ai envie de coller celui-là. Les couleurs sont. Donc je mets de la colle juste sur la moitié du papillon. Hein. C'est pas la peine de mettre sur l'autre moitié puisqu'elle va être enlevée. N'est-ce pas? Voilà. Hop, je vais mettre ça là. Voilà. Je vais coller, découper ce qui dépasse. Pas coller, découper ce qui dépasse. Hop. Voilà. Voilà. Il manque quelque chose, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Bref, je vais mettre le petit ruban
Peut-être que la prochaine vidéo, vous verrez des choses que j'ai rajoutées, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, je vais mettre le petit ruban blanc. Blanc ou bleu? Oh non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Allez, blanc. Voilà, comme ça. Ouais. Je regarde de loin. Il manque quelque chose. Je vais trouver. Hein. Il manque quelque chose. Ça me prend mal. Je vais mettre une agrafe déjà pour donner mon ruban. Voilà. Non, ça fait trop. Je pense que je vais mettre là. Tiens, j'ai encore mal mis. Je vais la coller par-dessus, comme d'habitude. Hein. C'est souvent. Non, je mets de la colle comme ça. De toute façon, je mettrai un autre tag derrière. Un peu plus grand pour. Généralement, les tags que je fais en challenge, comme ça, je les envoie aux copines. Voilà, ça me sert de petites cartonnettes pour mettre dans mon envoi. Donc, voilà. Voilà, puis là, je vais peut-être mettre une petite fleur. Une petite fleur, je les ai ramassées, non, j'en ai là. Je vais les prendre. Une petite fleur. J'ai pas sorti tous mes... Toutes mes fleurs honnêtes, j'en ai sorti quelques-unes. Une petite fleur en bois, je vais les utiliser. Hein. Une petite fleur en bois rose, hop là, pour cacher la graffe. Ouais. C'est un peu le bazar. Hein. Oh, ouais. Alors, un petit peu de colle, je vais utiliser la même. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait envoyé ces petites fleurs en bois. Peut-être Aude. Je ne sais plus. De la chaîne Tout Azimut. Qui nous fait toujours pas de vidéo. Ça, c'est pas bien, ça. Hein? J'adore ce qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle recommence ses vidéos. Voilà, voilà. Donc, je sais ce qui manque. Un petit coup de crayon noir pour autour de la pâte de structure. Ah oui, je pense que c'est ça. De certaines fleurs. Il est un peu gros, celui-là. Ouais. Juste léger. Ah non, ça ne fait pas joli. Ah, ça fait pas joli. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on prend le blanc et puis on met par-dessus. Ça va atténuer. Et voilà. Ça fait moins criard. Parce que finalement, la petite fille, elle est tout en douceur. Alors, si on lui rajoute du noir, ça va pas. Ça va pas. Hein? Alors, je vais prendre un autre mieux, celui-ci. Écrit pas, il écrivait ce matin, il veut plus. C'est peut-être parce que l'encre qui est en dessous n'est pas sèche, parce que ça arrive, ça aussi. Hein. Non, je verrai ça plus tard. Je vais faire les autres fleurs aussi, mais je vais prendre un crayon plus fin, plus fin, plus fin. Parce que j'ai mis mes crayons. Ah. Comme ça, j'avais pas prévu de faire de crayon noir non plus. je vais prendre celui-là. Il est fin. S'il veut bien écrire, ouais, ça va. Nettement mieux. Voilà. Hein, que c'est mieux. Ça les met en relief.
un peu plus. Ça fait plus léger. Un petit papier. Un petit papier parce que j'ai de l'encre du médium du dessous sous la mine et puis ça ne veut plus écrire. Comment elle se bagarre avec les crayons. Bon, ça va rester comme ça. Je vais rajouter juste du blanc où c'est trop épais, si c'est sec un peu. Non, pas celui-là. Je vais prendre, ça. Voilà, un Posca. Pour adoucir un petit peu mes traits noirs qui sont trop gros. Voilà. Voilà, bah, c'est mieux. Hein. Je reviendrai quand ce sera plus sec parce que là c'est mouillé et puis ça refuse d'écrire. Donc voilà pour mon deuxième tag printemps. Donc je vais mettre un petit sentiment. Hein. Un petit sentiment. Bah, je vais vous le mettre, je vais le mettre là. Hein. Ça va cacher les traits pas beaux de noir. Voilà, un petit peu d'encre autour. Ça, c'est un sentiment que j'avais eu sur une planche tamponnée par une copine. Bon, si elle se reconnaît, je la remercie. Je lui fais des bisous. Et puis, on va la mettre là. Voilà. Voilà, voilà. Un petit 3D. Est-ce qu'on met un 3D? Allez, un tout petit 3D. En dessous. Voilà, j'en fais ça de là. On va rajouter de la colle parce que c'est du 3D de chez Action, donc pour être sûr que ça colle. Hein. Voilà. Moi, ça me va. En fait, c'est le sentiment qui manquait, hein, c'est tout. C'était pas la peine de rajouter des tonnes. Voilà. Voilà ce que ça donne, mon tag. Donc, je vais mettre un papier blanc derrière. Hop. Voilà la planche de sentiment qui a été tamponnée par une copine. Alors, vive le printemps, j'en ai pas. J'ai pas de... Mis à part le titre Le printemps, comme sur le premier tag. J'ai pas de... J'ai pas de sentiment pour le printemps. Voilà. Donc voilà le premier tag et le deuxième. Alors avec ce principe de bruchot et de mousse action, j'ai fait des petits ATC. Donc je vais vous les montrer. Hein, tant que je pense, on va laisser ça tranquillement sécher. Donc je ne les ai pas numérotés encore. Je les mettrai dans mes envois. Voilà, ça condole un petit peu. Toujours avec le même avec ce même livre de stickers. Voilà. Je vous le remonte au cas où vous voulez le commander sur Amazon. Voilà, la première. Donc, pourquoi 20? Parce que le printemps, c'est le 20 mars. Donc, comme j'ai tous les mois de l'année en tamponnage, voilà, j'ai tamponné un petit mars. Toujours le même fond que le tag qu'on vient de faire. Hein. J'ai mis des pigments et j'ai vaporisé de l'eau et j'ai collé mon petit sticker, mes petits papillons qui sont de la même planche de tampon que le mois de mars ou que le printemps de ce tag, c'est la même planche, je ne l'ai pas pris forcément, hein. Mais vous l'avez vu dans l'autre vidéo, c'est une planche que j'ai achetée chez Cultura il y a très longtemps. Donc voici la première, c'est une petite dame avec une robe en forme de fleurs puis des petits papillons. Voilà. La deuxième, c'est de la fraîcheur. Hein. C'est de la fraîcheur dans ces ATC. Voilà. Avec aussi une jupe en forme de fleurs. Voilà. Même son petit chapeau, c'est une fleur à l'envers. J'ai trouvé ça rigolo. Donc, je dis, allez, on va faire des petits ATC. Alors, avec une tulipe. Voilà, sa robe est en forme de tulipe.
Toujours le même principe, hein, je ne vous la détaille pas parce qu'il n'y a que le sticker de la petite fille qui change. Et celui-ci, alors elle a une robe en forme de pivoine. Voilà. Voilà pour mes ATC. Pour ce printemps, avec le tag. Alors, je sais pas si, ça fait un peu brouillon ma présentation. Oh là là, je les mets là. Hein. Je les mets là. Voilà, comme ça, mon ATC, mon tag assorti et le premier tag qu'on a fait ensemble. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez bien. J'ai placé mon téléphone sur ma droite, donc c'est plus facile pour filmer. Et puis, je pense que la luminosité est meilleure. Vous me le direz en commentaire. Voilà, sur ce, bah, je vous fais de gros bisous. Puis, bah, on se retrouve pour les tags de Pâques. J'en ai deux à faire. Donc après c'est le 20 et quelques et puis après à la fin du mois de mars le dernier. Voilà, sur ce bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, plein de bonnes choses, portez-vous bien, bisous.